Donc, monsieur Arina Soulet, je me rends à Arina Soulet, ministre d'État et du patrimoine culturel, madame Pérez, madame Pérez-Marin, monsieur Bagan, directeur de la culture, chers amis de la presse, les artistes, bienvenue. Donc, nous très contents que vous êtes aujourd'hui, parce que nous connaissons qu'il y a une longue traversée avec Covid, l'épidémie agricole qui tient à vivre la limite de fin de l'année dernière. Donc, ce qui fait exceptionnellement, nous prenons un plus long temps que d'habitude. Et nous comprenons qu'il y a beaucoup parmi ceux qui sont impatients quelquefois, mais ça se comprend. Et je connais aussi qui l'impact la Covid dans la population générale et en artiste en particulier. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui, quand même, pour recevoir eux, qui ont été sélectionnés. Et à partir d'un nombre de calls qui nous ont gagnés, d'applications qui nous ont gagnés, une des plus grandes applications, au monde surtout. Donc, ça aussi nous contribue pour l'exercice, là, nous contribuons plus de temps. Et dans différentes étapes de l'exercice, là, comment être déjà au courant. On ne passe pas dans la présentation, on ne passe pas dans le document, clarifier tout le monde d'affaires, pour qu'il nous ait les meilleures conditions pour qu'il nous fasse comprendre le projet bien et qu'il nous ait envie. Nous connaissons que c'est un projet réalisable pour le rayonnement artistique et culturel de Maurice. Donc, quand on utilise un certain étape là, bien sûr qu'il y a un projet qui nous retenir, vous êtes parmi nous. Et nous avons aussi un écran de tenir. Donc, l'exercice à faire, donc, c'est un nombre de critères. Et je posais une passe à différents critères là, qui dans le domaine artistique, qui dans le domaine technique, administratif. Mais le comité d'évaluation, il disait, il est plus seulement dans ce là avant de proposer là, parce qu'au final, nous avons envie qu'il nous gagne un projet qui est réalisable. Pour qui nous faire leur réduire dans le monde. Alors, ben, si tu proposes pas de retenir aussi, nous quand même nous pas ignorer complètement, ce qui dans nos pratiques, ben, proposer pas de retenir, nous faire se connaître, si c'est en vie de nous, pour qui se arriver à connaître nos petites bases, poser là pas de retenir, donc comment améliorer poser là. Ou qui, dans un futur call, se réunit et se présente le même projet ou un autre projet, mais qui se connaît au moins là que l'entraînement c'était plus ou moins. Donc, très heureux encore une fois pour nous tous. Et bien sûr, nous souhaitons bonne chance dans la réalisation de votre projet. Et pour ne pas nous pas de tenir, nous souhaitons que la prochaine fois, je vous emmène avec mon nouveau projet. Merci pour votre attention. Maintenant, on passe au ministre, ou bien vous Gaëtan. Merci Gaëtan, madame PS, directeur de la culture, un officier du ministère et surtout un camarade artiste. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Quand même, c'est une cérémonie assez importante pour le ministère, mais également pour la Short Arts Fund. Parce que c'est depuis le lancement de National Arts Fund en 2018. Aujourd'hui, c'est le sixième call qui est fait. Et avec le décaissement d'environ 10 millions d'euros aujourd'hui, il totalise un déboursement de près de 40 millions d'euros pour ça ne prend pas l'année là, à partir de août 2018, c'est le premier décaissement à ce jour. Qui cause un montant total de 40 millions de roupies qui se mettent à disposition de l'assurance femme qui aujourd'hui, je vous disais hier avec la qualité de l'œuvre qui nous gagne de l'artiste, la qualité de la demande et de l'application qui nous gagne, ils répondent à l'objectif qui fait de mettre sa fond là en place. Pour rappel, le fonds, c'était une annonce du GTS du Premier ministre qui également a été ministre des Finances en 2017, quand il présente ce budget. C'est la COPI annonce la mise en place de National Arts Fund, un fonds qui permet à un artiste, d'amener assistance
beaucoup plus conséquent de ce qui se fait gagner auparavant à travers le ministère. Le ministère, déjà, a pas mal de schemes qui ont en place la financial assistance, mais là, c'est nécessaire qu'il y ait un fonds, on va dire, beaucoup plus conséquent, un montant beaucoup plus, plus gros montant, qui permet à un artiste de réaliser un plus gros projet. C'est-à-dire, autre que réaliser un single ou un album, là, la possibilité est que un artiste qui organise un gros, gros projet, un film, une exposition, divers types de activités culturelles ou artistiques avec, avec ce support financier que la Chambre a mis en place. Et je suis très satisfait que, après l'annonce du budget, en février 2018, s'il met le fonds en place, si les gens commencent à travailler, après le premier call, vous avez fait des questions en août 2018. Et pour vous dire, avec Covid qui était passé, une gagne quand même beaucoup plus d'applications cette fois-ci. Beaucoup plus d'applications, mais bien sûr, chaque application, chaque demande est traitée selon le même paramètre qu'il met en place pour l'assurance. Ce même paramètre-là, très souvent, comme nous avons un artiste fait comprendre que est plus rigide, c'est un certain paramètre que vous avez travaillé. Alors, vous pensez que nécessaire, vous avez M. Gaëtan Abel, vous avez dit que dans pas longtemps, si vous avez Gaëtan, parce que au final, l'objectif de sa fondation, c'est pour un support à un artiste. Alors, les conditions, les paramètres de produit, c'est qui nous est là, qui fait ce preuve pendant des années. Aujourd'hui, nous en mesure faire une rétrospective de comment nous bosser. Qui ben, qui copse, qui ben, ben blocage dans le système, que ce soit administratif ou autre. Et moi, je vous propose que dans pas longtemps, nous organisons un workshop avec Ben Artiste qui bénéficie du fonds depuis 2018 à ce jour, incluant Ben Camarade qui l'a aujourd'hui, mais même Ben Artiste qui, peut-être s'il dépose une application qui parle ici, passe Ben critère de sélection, invite-nous pour un workshop, nous assistons à faire brainstorming tout le monde, nous guettons tout aujourd'hui, toutes les conditions qu'il a donné, pendant 4 ans, 5 ans, comment il fonctionnait, qui, comment ils ont amélioré. Est-ce qu'il y a certaines conditions qu'ils ont allégées, ou soit certaines mêmes conditions qui vous a corrigé afin de permettre qu'il y ait une pérennité dans le fonctionnement de ce fonds-là. Parce que nous n'avons pas envie qu'arrivé à un certain moment, nous nous sentions comme si les conditions, ou soit les procédures administratives, viennent un obstacle dans le bon fonctionnement de ce fonds-là. C'est quelque chose que, il n'y a pas longtemps, vous avez en place un workshop, un brainstorming session avec un camarade artiste, une enseignante qui est un peu plus capable de corriger certaines mêmes affaires. Bon, pour être long, c'est un peu l'essentiel de ce que nous avons partagé avec vous, mais également profiter de l'occasion pour qu'un jeune camarade qui bénéficie de ce support-là aujourd'hui, les 18. Nous recevons au total 22 de post-Covid call, et ce qui nous comprend bien, il y a 3 camarades qui ont désisté. Au total, aujourd'hui, il y a 18 bénéficiaires qui prennent une signature de contrat à partir de là pour ce projet. Le National Arts Fund, bien sûr, il y a un support, un appui financier qui est proposé par le gouvernement, par le ministère. Là, récemment, nous tenons le post-Covid support plan. Bien sûr, c'était un plan ad hoc qui se met en place en raison de confinement qui se fait passer. Nous faisons qu'un seul moment de 8 semaines. Mais il y a encore des autres affaires qui sont en retour. Richard, là même, Richard travaille en nous étroitement par rapport à comment nous améliorer tout une cause d'injustice musicale, une cause copyright, une cause Blank Levy. Souvent, nous travaillons sur le mécanisme, comment nous prenons pour faire. Et bien, ainsi, nous avons dit dans notre discours qu'il y a une avancée par rapport à tout ce qui nous discutait. Et il n'y a pas longtemps, nous prenons les yeux encore une fois pour, pareil pour ma révision copyright, il y a même des autres éléments de ça, l'industrie musicale là, qui prend place, qui permet quand même reconsolider la position d'un artiste dans la société, surtout pour une cause de rémunération, pour une cause de gain et pain de l'artiste. Sur ce, vous avez un grand merci. Merci pour la collaboration avec le ministère, avec le camarade d'artiste. Merci pour le travail qu'il nous fait, parce que, comme vous dites tout le temps, c'est cette collaboration qui vous permet de nous capable de faire davantage pour le secteur créatif. Nous continuons à prendre une dose de support. Et vous convaincu que le proposed workshop
brainstorming qui nous est proposé, il va porter ses fruits d'une manière qui est capable d'améliorer que ce soit le service, mais également d'améliorer le fonctionnement de National Arts Fund. Et tout cela dans l'intérêt des artistes et dans l'intérêt du secteur créatif. Encore une fois, merci pour votre présence aujourd'hui et bonne continuation dans votre activité. Et dans pas longtemps, nous joignons quand se termine ce projet, quand nous avons connaissance du produit final. Là, dernièrement, nous avons fait une ouverture de l'exposition Max Boulet, qui est également un bel bénéficiaire de sa corolla. Il passe très très bien. On est très surpris par la qualité de l'exposition. Et nous convaincus que nous pouvons gagner la même chose avec le même camarade qui est ici aujourd'hui. En tout cas, merci et merci du travail que vous faites pour la société. Merci beaucoup. Merci, M. le ministre. Alors, nous passons à l'essentiel de sa réunion. Je remise dans le contrat. Et alors, nous m'appelons un petit peu, mais nous prenons qui est là ici. Et vous pensez, voilà, je suis pour le ministre Ok. Alors, monsieur Gitish Ganga. C'est mon nom. Monsieur Ganga, sous production blanc, hein, qui m'a là, sous projet d'entourer. Donc, c'est une danse circus-dance. Hein. Super. King Ming Tan Fiona and Green King Kong. Digital Painting Art. C'est un nouveau grand qui nous met en place après post-COVID. Donc, c'est troisième, c'est Still Moving Band, domaine de la musique. Sans dire John D. Hensley. Le quatrième, c'est Gâteau Marie-Michel, Imagine Talent, avec ma charme. Donc, c'est Paintings. Voilà, c'est visuel. Jaffer, Sarana, Tassim, littéraire. Donc, c'est une nouvelle. Elle aussi, c'est Imagine Talent. Ira Gunsagor Mishra, Production Noir, Anjali, le titre de ce projet. Art Music Limited Richard 1, Bunto Sessions. Donc c'est musique, film et mélange de plusieurs médias. Okay. Ramdou Li Cyril, donc c'est une comédie musicale. Yeah. Alors, face à force, sur le type, hein, face à force, le spectacle. L'apérotime Jean-Alain Patrick, c'est photographie, un livre. Vivienne Lem, Laetitia Lowe, Visual Arts, Drawing, Painting, Sculpture. Sadassim Jayan, Jayan Dutt, Visual Art toujours, Painting et Sculpture. Skylight Pictures Limited, Marie-Mitou Corbinet, Performing Arts, Kuma, Kuma. Pérez, Marie-Mélanie Gény, comédie musicale. Northern Artists Association, Nandio Sipol, Ramanan, c'est un drama.
encore Yvain Saint-Exupéry qui nous donne. Ravi de vous enseigner. C'est cinéma. On peut être un film. Turaman Devanan, rétrospection. Violent. Voilà, c'est tout. Merci, M. le ministre. Merci. Donc, comme je l'avais trouvé, c'est vraiment une variété de richesse artistique, une variété allant de visual art, cinéma, comédie musicale et la voix. Et bon, on fait d'autres comédies qui ont un groupe de rubriques aussi qui ont sélectionné avec une comédie musicale, dont je parle à présent, bien sûr, aujourd'hui. Et la groupe Gandine, Michael Raphaël. Donc c'est vraiment un fond qui peut amener réalisation d'un projet qui dans bien des cas pas que vous réalisez ce projet parce qu'ils font là il y a un fond important et c'est pourquoi qui nous faire le devoir comme une fini à fini zone travail d'intention travail avec eux studio bien comment y passer à partir de maintenant jusqu'à ce que le projet pour réaliser. Et accompagnement du Brunin avec ça, parce que je posais ces mêmes projets et ils m'ont dit que la réussite, je commande pour nous, la chance de l'ICR, le patrimoine culturel et le gouvernement qui nous font à la disposition de la presse. Donc, sur ce, nous remercions M. le ministre, M. le MPS, M. Zatan, nous remercions toutes les présences et là, commençons à passer, nous faisons un petit break. Un petit juillet, un petit juillet, tout ça. Et puis nous retournons ici en session. Nous faisons une session de travail, nous expliquons bien comment la faire, bien étant référencé dans le boulot, etc. Donc voilà, toutes bonnes questions, toutes bonnes questions. Et puis tout ce qui viendra là aujourd'hui même, et vous retournez même. Merci beaucoup. Merci. Merci.